Bonjour et bienvenue sur le billard en image. Je suis en compagnie de Spiridon qui vient de s'incliner en huitième de finale face à Fabien. Spiridon, un petit mot sur ton match. Dans l'ensemble, pas un mauvais match. Maintenant, voilà, jouer sur ce type de billard, je veux dire, en ne connaissant pas trop les règles, il faut un moment d'adaptation, pas évident, mais bon, voilà. Content du tournoi en général, agréablement surpris au niveau des tables. Et voilà, je pense que c'est une très belle expérience pour moi. Je veux dire, en jouant au snooker, je veux dire, c'est vrai que ça se rapproche un peu plus au niveau de débit, de l'enfochage, beaucoup plus. Mais le problème, c'est voilà, c'est la tactique du jeu, toutes les petites finesses au niveau du jeu qui font que voilà, on maîtrise pas encore. Maintenant, je veux dire, sur ce match-ci, en réalité, je fais une petite erreur en oubliant de jouer une de mes boules à 2-0, je pense. Donc voilà, ça travaille un petit peu. Et puis à la fin, voilà, c'est 5-4, j'ai une noire gagnante. Et tu cours avec le temps, en fait. Voilà, le temps te fait courir. Plus, et... Mais bon, à partir du moment où vous ratez une noire, ouais, qui est en, je veux dire, en diagonale, que vous devez rentrer, après, je vais dire, un petit coup de chance. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est si je ne mets pas la noire de la gagne. C'est ma faute. Voilà. Après, on peut parler de ce qu'on veut, de la chance ou pas la chance. Si vous avez les billes et que vous ne les rentrez pas, il ne faut pas vous plaindre. Il n'y a pas de secret. Voilà, d'avoir de la chance ou de ne pas avoir de chance. Moi, j'estime qu'à partir du moment où vous jouez au billard, vous avez des trous. Vous avez les boules, si vous mettez les boules, vous gagnez. Si vous ne les mettez pas, vous perdez. Si vous perdez, c'est de votre faute. Moi, j'estime que j'ai perdu à cause d'un manque d'expérience au niveau de ce jeu-là. D'accord. Mais ça reste malgré tout une super expérience pour une première. Je suis très très content. Je veux dire, j'ai rencontré plein de belles personnes et super agréable au niveau du tournoi. Donc, d'accord. Très content. Un petit coucou à faire, éventuellement ? Coucou à faire ? Non, à tous les amis ici du billard, je trouve qu'ils nous ont bien accueillis, ou ça s'est bien passé. Je vais dire, voilà, les joueurs assez sympas, les arbitres très compréhensifs pour nous expliquer les règles, même pendant les matchs où c'est pas tout le temps évident de savoir ce qu'on doit faire. Donc voilà, ça a été assez fair play parce que, en général, on pourrait dire, voilà, c'est chacun pour soi. Et ici, il y avait quand même un relationnel, je vais dire, où on pouvait demander des conseils, savoir au niveau des règlements surtout, savoir un petit. Donc je trouvais qu'ils étaient vraiment à l'écoute. Et je suis très content, voilà, félicitations à eux pour l'organisation, et c'est très plaisant de jouer, je recommencerai certainement, même si je dois faire, même si j'ai dormi que 5 heures en 2 jours de temps, j'ai fait presque, je veux dire, avec le retour, ça va faire 1000 km en 2 jours, en étant restaurateur, voilà, c'est pas évident, mais je regrette pas, et à refaire, sans problème. Bon, bah écoute, rentre bien, on te dit à bientôt. Merci beaucoup, à toi. Merci.